Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors je pense que ce vlog va être quand même assez long. Je vais vous faire une partie de ce qui s'est passé la semaine dernière, parce que oui, la semaine dernière je vous ai laissé mercredi, puisque les travaux allaient commencer à démarrer, la rénovation. Donc je vais vous mettre quelques petites images ici. C'était quand même assez spectaculaire. Donc il y a le changement de fenêtre. Ça a été une horreur, il y avait énormément de vent, beaucoup de poussière, les courants d'air tout claqué puisqu'ils ont, en fait, ils ont démonté tout, comme vous pouvez voir sur les images, ils ont tout démonté. Ils ont même démonté ma fibre, et ben voilà, donc je n'ai pas eu internet jusqu'au mardi d'après. Bon, passons, voilà, j'étais très très contente, pas de télé, rien, mais bon. Ensuite, je vous montre le lundi quand je suis montée sur la balance. Voilà, ça c'était mon poids de la semaine dernière. Ici, je vous incorpore quelques petites vidéos de la salle de bain. Alors ça aussi, ça a été quand même assez costaud. D'ailleurs, j'ai de la poussière, j'en ai encore à ce jour, j'ai encore plein de poussière. Cet après-midi, ils vont venir terminer la salle de bain, donc je vous mettrai encore les petites images. Truc, je vais aller cet après-midi à la piscine pour m'inscrire. Voilà, notre nouvelle piscine dans la ville est enfin terminée. Donc voilà, c'est le top. Je vais aller m'inscrire et voir ce qu'il faut comme papier et tout ça. Voilà pour aujourd'hui. Donc dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous mettre un maximum de recettes puisque ce sera le dernier vlog de la saison. Bien sûr, je reviens en septembre, mais pour ce vlog-ci, j'avais vraiment envie de vous partager beaucoup de choses niveau recettes. Voilà. Niveau jeûne, c'est toujours le top. Je prenais des médicaments, des antidouleurs deux fois par jour, j'en prends plus qu'une fois par jour. Niveau marche, je vous montre ici les pas que j'ai fait ce matin, parce que oui, je suis allée marcher ce matin, donc je vous montre ici. Chose qu'au mois de mars, je faisais 3000 pas et j'étais très très contente de moi. Mais maintenant, quand je vois que je peux faire ça, donc je suis encore plus fière de moi. Vraiment, niveau douleur, c'est le top. Je pense que le jeûne doit jouer là-dessus. Ensuite, niveau transit, pour le jeûne, c'est assez compliqué. Alors, désolé, là, on arrive à la phase à la moins glamour. Donc, avec le jeûne intermittent, très très compliqué niveau intestin. Voilà, très très dur, galère. Donc, je me suis mise à rompre mon jeûne avec du bouillon de légumes. Alors, tout simple, hein, juste des légumes cuits, je récupère le bouillon et j'ai gardé les légumes, je les mixe et je les mange en purée le midi. Voilà, donc pour... Et je vais tester aussi du psyllium. Je peux faire des recettes aussi avec du psyllium, c'est naturel et c'est bon aussi pour le transit, en sachant que moi j'ai quand même la maladie de Crohn. Et c'est compliqué. Je prends déjà des médicaments pour pouvoir avoir un bon transit parce que, comme m'a dit ma gastro-entérologue, il faut que j'aille aux toilettes tous les jours, sinon mes intestins se fissurent à l'intérieur, ça saigne. Voilà, je vous avais prévenu, c'était vraiment pas glamour.
Voilà, donc ça c'est dit. Je suis montée sur la balance ce matin. Je vous mets les images juste ici. Je suis super ravie. Voilà. Donc j'ai commencé au mois de mars. Je faisais 85 kilos et je suis arrivée à 75 kilos à peu près. Donc ce qui fait 10 kilos de perdu. Petit chat dans la gorge. Voilà, ça fait quand même 10 kilos de perdu en ayant commencé le jeûne. Donc ça m'a débloqué beaucoup de choses niveau santé. Demain, je vais aller faire ma prise de sang en espérant que les triglycérides vont baisser aussi parce que ça, je fais aussi le jeûne intermittent aussi pour ma santé, pas que pour ma perte de poids. Et en plus, pour moi, c'est vrai que je ne mange pas le soir. Bon, je suis seule. Je finis mon repas entre 14h30 et 15h, ce qui est le top. Et le soir, plus de cuisine, plus de vaisselle, plus rien. C'est vraiment bien. Je peux faire un peu ce que je veux. C'est vraiment bien parce que toujours derrière les fourneaux, toute la journée, c'est saoulant. Donc, dans cette vidéo, je ne vous mettrai pas de retour de course ni de retour de marché parce qu'en même temps, je prends toujours la même chose. Donc, je ne vais pas toujours vous montrer la même chose et ça laissera un petit peu plus de temps pour les recettes. Voilà, donc je vais vous montrer mon petit déjeuner. Je vous mets les petites images et je vous montre ça tout de suite. Donc mon petit déjeuner, mais avant tout je vais boire mon bouillon de légumes. Alors c'est tout simple hein, des légumes congelés, carottes, poireaux, courgettes, haricots. Voilà, j'ai tout fait cuire, j'ai récupéré le bouillon, bien sûr j'ai récupéré les légumes que je fais une petite purée avec, c'est toujours mieux pour le transit. Donc je vais prendre mon petit bouillon de légumes et je vais attendre une demi-heure avant de commencer à prendre mon petit déjeuner. Allez go! Allez, c'est parti pour une nouvelle recette. Nous allons faire des petites tartelettes à la fraise. Alors, il vous faudra 120 g de farine, un petit peu de compote pomme-banane. Moi, j'ai sans sucre ajouté, bien sûr. 30 g de beurre fondu. Ici, nous avons 20 g d'amandes en poudre. Et ici, 30 g de sugarlie. Donc, on va commencer par faire la pâte. Comme toujours, en accéléré et en musique, c'est parti. Voilà, j'ai un petit peu galéré à travailler cette pâte parce qu'il fait très très chaud. Donc j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés et je vais l'enfourner une dizaine de minutes. Allez go, c'est parti! Voilà, pendant que les tartelettes, enfin les fondes de tartelettes cuisent, j'ai mis 200 g de fraises. Alors c'est des fraises du congélateur que j'ai fait décongeler. Je vais rajouter 15
ou 20 g de sugar lee, c'est toujours selon les goûts. Je vais mixer ça, je vais les mettre dans la casserole et je rajouterai une cuillère et demie d'agar agar. Allez, c'est parti. Voilà, je vais les laisser refroidir un petit peu avant de rajouter la confiture. Et voilà, je vais les mettre au réfrigérateur pendant une bonne heure. Alors moi, je les ai fait de cette façon, mais si vous avez des petits moules à tarte, bien sûr, ça sera beaucoup plus pratique. Allez, je mets ça au frigo, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, je vais goûter mes tartelettes. J'en ai déjà donné à ma cousine qui est passée. Donc, il me reste plus que 3 tartelettes. Voilà. Alors, je pense qu'il faudra mettre un petit peu moins de cuisson. Parce que la pâte est un petit peu dure. Voilà. Donc, je vais goûter. C'est super bon. Mais bon, je pense qu'il faudra vraiment moins de cuisson au niveau de la pâte. Voilà, à plus tard. Allez, c'est parti pour faire les muffins aux pépites de chocolat. Donc, il vous faudra 20 g de chocolat concassé comme ceci, du chocolat noir, 2 œufs, la moitié d'un sachet de levure chimique, une banane, 50 g de farine. Et ici, j'ai mis 2 cuillères à soupe de psyllium. Voilà, je vous montre, c'est ceci. Alors, on va tester cette recette. Allez, c'est parti! Alors, je viens de goûter la pâte. À mon goût, il n'y a pas assez de sucre par rapport à la banane. Donc, moi, je vais rajouter 10 g de sugar lee. Mais dans la recette initiale, on ne rajoute pas de sucre. Voilà, j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés et je vais les enfourner 15 à 20 minutes. Allez, c'est parti. Et voilà les muffins. Je les ai donc laissés 15 minutes. Je vais goûter les muffins. Je ne les ai pas encore goûtés. Oh, ils ont une belle consistance. Je pense que le psyllium y est pour quelque chose. Allez, je goûte et je vous dis. C'est vraiment très très bon. Bon là, il sort du frigo, mais il est super bon. Et je pense que j'ai bien fait d'avoir ajouté le sucre. Excusez-moi, je parle à bouche pleine. Voilà, ça, je valide. Hello, nouvelle journée, nous sommes mardi, donc là je fonce faire ma prise de sang et comme je vous ai dit hier à 12h15, je file vite faire mon cours d'aquagym. Donc pour l'instant je vous laisse avec une petite recette. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour une nouvelle recette. Donc je vais faire des galettes au saumon fumé.
Galette aux pommes de terre, bien sûr. Donc j'ai mis 330 g de pommes de terre, ça fait à peu près deux pommes de terre moyennes, un œuf, deux tranches de saumon fumé, 30 g de chapelure. J'ai mis un petit peu de persil frais. On va y rajouter de la noix de muscade, du poivre et du sel. Allez, c'est parti pour la recette. Voilà, j'ai fait préchauffer le four. Comme d'habitude, je ne vous l'ai pas dit à l'avance, mais ça coule de source tellement pour moi que je ne vous l'ai pas dit. Et je vais l'enfourner 10 à 15 minutes. Allez, c'est parti! Alors, pour ces galettes pommes de terre saumon, qu'est-ce que ça donne? Je vais encore goûter. Ça sent super bon. Les pommes de terre sont bien cuites. Le saumon donne beaucoup de goût. Non, franchement, très très bon. Donc, à refaire. Désolée, je vous parle toujours la bouche pleine. Donc, ça sera à refaire. Voilà pour ça. Hey hey, ça y est, premier cours d'aquafitness, le top. Je me suis régalée, juste quelques petits soucis de coordination, mais ça j'ai toujours eu depuis ma petite enfance. Voilà, donc je vous montre une nouvelle recette, la magie du montage, c'est ça qui est top. Allez go, une nouvelle recette pour vous? Allez, c'est parti pour une autre recette. On va faire des blinis aux courgettes et aux chèvres frais. Donc il vous faudra deux courgettes. Moi, ici, j'ai à peu près 400 g de courgettes. Ici, j'ai 140 g de farine, du sel, du poivre. Je mets un petit peu de persillade comme ceci. Il est super bon. 100 ml de lait, un sachet de levure, 3 œufs et 100 g de chèvre frais. Allez, comme d'habitude, je vous fais ça en accéléré et en musique. C'est parti. Et voilà les blinis. Ils sont magnifiques, ils sont tendres. Oh, je vais goûter. Allez. C'est bon. Miam miam. Excusez-moi, vous tombez. Un régal, je valide.
Nouvelle journée, il est 8h20, j'ai déjà bu mon petit bouillon pour rompre mon jeûne parce que là je pars faire le marché, alors gigot de suite. Ce matin au réveil, impeccable, pas de douleur et tout, j'étais surprise, peut-être que j'ai pas assez forcé, j'en sais rien, mais bon, c'est pas grave. Cet après-midi, aquatraining à 12h, donc encore du sport et du sport, je suis super contente. Voilà, ben, je vous laisse ici et je vous mets une petite recette ici tout de suite. Allez, c'est parti. Et voilà, enfin revenu du marché. Donc, comme d'habitude, j'ai pris de la pastèque. C'est pas bien, c'est pas bon pour les triglycérides, mais tant pis. Et je me suis fait le pancake géant de Ambre. Je vous mettrai le lien toujours en barre d'infos. Et je vous ai mis aussi la vidéo juste avant avec les quantités et les SP. Voilà, je vais prendre mon petit déjeuner. C'est parti. Nouvelle journée, je ne vous ai pas repris hier mercredi en sortant de la piscine parce que comment dire, c'était un petit peu compliqué. Heureusement que je m'entraîne un petit peu depuis le mois de mars à aller faire de la marche. D'ailleurs là je suis déjà allée faire mon petit parcours. Je vous mets ici ce que j'ai fait ce matin. Donc pour revenir hier, j'ai encore un chat dans la gorge. Pour en revenir à hier, j'ai fait de l'aquatraining. Alors l'aquatraining, il y a de l'aquabike, il y a les trampolines. Après, il y a avec une ceinture pour flotter, on fait des exercices dans l'eau. Et il y a une grande planche comme un paddle où il faut monter dessus, faire du gainage, des squats, tout ça. Alors moi, j'avais déjà prévenu la prof que tout ce qui est gainage, je ne peux pas le faire avec la spondylarthrite. Non, honnêtement, j'ai très très mal au dos. Là j'ai vachement mal, donc même sur, que ce soit sur l'eau ou sur terre, je ne peux pas le faire. Alors ce principe là c'est pour l'équilibre, pour apprendre à garder son équilibre et voilà, ça c'est très bien. Hein. Mais bon, je n'ai même pas réussi à monter dessus pour vous dire, comme j'avais pas pied, que j'étais déjà épuisée de tous les exercices d'avant, impossible de me hisser pour monter sur la planche qui était sur l'eau, impossible. Ma cousine y est arrivée mais elle n'a pas réussi à se mettre debout. Bon, fait bon, comme j'ai dit à la prof, c'est pas grave. Moi, je fais quelques petits exercices. Alors, on a commencé par l'aquabike pendant un quart d'heure. Alors là, c'est au rythme de la musique.
Oui, pour le cardio, c'est pas mal. Maintenant, à faire ça pendant un cours complet, je pense pas que j'y arriverai. Ce matin, niveau douleur musculaire, oui, j'ai eu un petit peu mal, juste au-dessus des cuisses. C'est la seule douleur que j'ai eue. Donc, pourtant, j'ai forcé hier, j'ai bien senti que ça chauffait les entrejambes sur le trampoline. Franchement, là, ça chauffait bien et c'est super. Donc pour la semaine prochaine, j'ai repris que de l'aquagym. Ouais, je crois l'aquagym ou l'aquafitness, je ne sais plus. J'ai repris que ces deux-là, mais je pense que l'aquatraining, je le ferai que tous les 15 jours. Et je ferai deux séances d'aquagym toutes simples. Ce sera beaucoup mieux. Parce que bon, en faisant les vlogs, c'est compliqué. Bon, là, c'est vrai que je vais faire un petit break niveau vlog. Donc pour l'été, ça va me permettre de récupérer un petit peu parce que c'est dur, dur. Voilà, donc je vous ai filmé, je vous ai mis en image mon petit déjeuner que je me suis préparé. Je vous montre mon assiette. Allez, c'est parti, go! Et voilà mon assiette. Donc sur la petite vidéo, quand je préparais, je vous ai mis les ingrédients et les SP comme d'habitude. Moi, c'est WW bleu, ça reste pareil. Voilà, pour mon premier repas, j'ai bu un bouillon de légumes quand je suis rentrée du sport. C'était 9 h. Voilà, allez, on va regarder un petit peu cette assiette de plus près. Ça a l'air succulent. Allez, je vais manger. C'est parti. Trop, trop contente. Je viens d'imprimer mes résultats d'analyse. Je suis ravie. Donc ici, c'était l'antériorité au mois de mars, comme quoi c'était déjà quand même assez haut. Donc ici, ça, c'était ma dernière prise de sang. Tout est en gras. Et ici, on arrive ici, c'est plus en gras du tout. Ici, ça a un petit peu diminué, c'est pas trop mal. Et ici, je suis presque, 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 presque dans la norme. On dira même que je suis dans la norme. Je suis trop contente. Voilà, franchement, je pense que le jeûne intermittent joue vraiment sur ma santé. Après ça ne tient qu'à moi. À voir vous si ça fonctionne sur vous, mais en tout cas sur moi ça fonctionne. Voilà, trop trop contente quand je vois qu'il n'y a pas d'écriture en gras comme ça, c'est le top. Voilà pour ça. Et voilà, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, on se retrouve en septembre et j'ai une petite surprise pour vous. En début septembre, je vais organiser un concours WW avec plein de produits à gagner. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner surtout à la chaîne et à venir me rejoindre sur mon nouveau groupe qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous pourrez me rejoindre. Voilà, donc je vous ai montré mes analyses, c'est pas trop mal. J'ai réfléchi, je pense que je me pose un petit objectif pour jusque septembre. Je perds pas énormément niveau kilo, mais je sais que je vais faire quand même un peu plus de sport pendant ces 2 mois qui suivent, juillet et août. Donc je me mets en objectif de perdre 3 kilos pour septembre. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Je vise tout doucement. Je préfère ça. Comme ça, moi, je ne suis pas déçue si je ne les perds pas. Ou si je perds plus, ben, je suis plus contente. Voilà, c'est tout moi, ça. Voilà, donc je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. Pour les personnes qui travaillent, bon courage aussi. Je vous dis en septembre, on se retrouve pour des nouveaux vlogs. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous.